Oui. Donc, nous avons défini ces objectifs. Nous avons défini les objectifs. Nous avons clarifié. Nous avons dit ce que c'est qu'une mission, ce que c'est qu'un objectif. Et nous avons donné les objectifs sur. On a parlé des objectifs opérationnels. On a parlé des objectifs d'acquisition. Donc, dans les objectifs opérationnels, nous avons les objectifs de notoriété. Donc, nous avons dit que la notoriété, c'est, on peut dire que la notoriété, c'est le degré de connaissance d'un produit ou d'un service, pas Allô? 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 Oui. Oui, madame. Monsieur Yumbi, lui-même. D'accord, c'est un programme. Est-ce que j'ai dit qu'on va, il nous envoie ses horaires, comme il travaille avec ses horaires de on va travailler en fonction. On va traiter ça en fonction de ses horaires. Oui, en fonction de ses horaires. Et il va faire les deux formations. Tu as formation. Oui, ça c'est mon coupé là. Elle dit que tu compais les frais de correction. Oui, dans ceux qui sont en ligne là, ils doivent payer les frais de connexion. Puisqu'on est en ligne comme ça, c'est 1000 francs de connexion. Patience. Tu l'as de le payer. Moi, ma connexion coûte 1000 francs. Toi, ta connexion coûte. Il fait ta connexion 1000 francs. Oui. Eh, malade, non, il ne veut pas ça. Sinon, on va faire comment ça? Non. On va lui donner les points en ligne, il prend la connexion. Non, on devait écrire ça. Tu vas faire le moment de payer ta connexion. En fait, je suppose qu'on a le wifi ici. Avec ceci, on peut d'abord laisser comme ça. Maintenant, les nouvelles personnes. Voilà, on peut. Et on va implémenter les prix de la connexion à l'intérieur. On est, oui. Voilà. Donc, si ça coûte, par exemple,
25 000, on va monter à 40 000, sachant qu'on a un peu la connexion dedans. Voilà. Voilà le truc de salut dans le ça, non. Ça, pourquoi? Dans les prochains, il va nous faire comme ça. Ça n'a pas de monsieur à l'époque. Oui, sur un plat de la salade. Oui, il y a ça à la maison. Après, je me suis rendu compte qu'on peut trouver la qualité de produit aussi. Oui, et tu en fais, tu vas la qualité de ça. Elle a mis dans le jardin. Elle a mis l'autre jour avec elle. Allô? Là, c'est bon. Allô? Oui. C'est déjà bon. Allô? Oui. Allô? 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 Oui, je suis là. OK, c'est bon. Ta machine est bonne déjà. Allô, tu m'écoutes? Allô? Oui, arrête un peu. Qu'est-ce qu'on t'a mis derrière les pieds? Oui, arrête un peu, déconnecte un peu. Allô? Oui, je suis là. Oui, c'est bon. D'accord, ok. On a été un peu perturbé par le signal. Ok, continue alors, vas-y. OK. Donc, en fait, je disais que nous avons eu les objectifs, un objectif de notoriété, on a parlé des objectifs d'acquisition qui cherchent à acquérir de nouveaux clients. Et l'objectif de fidélisation, pardon, qui, par contre, lui, il cherche à acquérir, je vais dire quoi, à réactiver je vais dire quoi, pardon, j'ai un petit problème. À réactiver les anciens clients. Et on a bien dit que fidéliser un client revient plus moins cher que acquérir un client. Maintenant, après,
Après, on a demandé de fixer les objectifs SMART. On a expliqué, on a dit spécifique, mesurable, actionnable, réalisable et temporel. Bref, et puis, je crois que c'est ça qu'on a fait. Nous avons élaboré la stratégie de produit et tout. Nous avons fait un rétro-planning. Dans le rétro-planning, nous servira à présenter l'ensemble des activités que nous allons faire pendant nos campagnes, ainsi que les périodes. C'est donc une sorte de feuille de route de l'exécution de notre plan d'action marketing. Je crois que nous avons évolué jusqu'au niveau du suivi des performances des actions avec KPI, Key Performance Indicator ou indicateur clé de performance. Donc, on a évolué jusqu'à... On a fait l'allocation des ressources de chaque action. Oui. Et on a découvert également le plan d'action de Mimine. De Mimine, tant pour moi. Et je pense que on s'est arrêté au résumé qu'on a eu à faire du chapitre en question. Ok. Et la suite était à quel niveau on devait continuer? On devait gérer la relation client. En ligne. Ok. Ok, merci bien. D'accord, là tu peux continuer alors. Gérer la relation client en ligne. Maintenant que le plan marketing n'a plus de secret pour vous, je vais vous donner d'autres clés pour vous aider à l'exécuter ou à l'améliorer. Un outil d'analyse. L'entonnoir de conversion, un concept fondamental, le cycle de vie du client, une méthodologie incontournable, AIDA. Cette partie a pour objectif de vous donner une vision plus globale de la relation client en ligne. Avec cette perspective supplémentaire, il sera beaucoup plus facile pour vous de porter un regard critique sur vos actions et d'améliorer leur performance. Petit à analyser le parcours des prospects jusqu'à l'achat. En marketing digital, vous ferez beaucoup d'analyses et de tests. Pour chaque action marketing mise en place, vous devez comprendre pourquoi elle a fonctionné ou non. Cette attitude vous permettra d'optimiser vos actions, d'arrêter d'utiliser certaines techniques ou de commencer à utiliser de nouvelles, d'ajuster vos prix, votre produit ou votre stratégie de distribution. En d'autres termes, c'est en faisant des tests que vous finirez par trouver la stratégie qui vous permettra d'atteindre au mieux vos objectifs. Comment savoir quels sont les points forts et les points faibles de ma stratégie? Afin de tirer des conclusions pertinentes, vous devez voir votre marketing mix et l'ensemble de vos actions marketing comme un système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments considérés dans leur relation à l'intérieur d'un tout fonctionnant de manière unitaire. Autrement dit, vous voyez chaque élément de votre marketing mix et chaque technique marketing que vous allez utiliser comme étant interdépendant sur le web ou ailleurs. Une stratégie marketing gagnante est avant tout une combinaison de bons choix marketing. Ça vous paraît abstrait, ne vous inquiétez pas. C'est normal. La notion de système est difficile à se représenter pour chacun de pour beaucoup de gens.
C'est pour ça qu'on utilise l'image de l'entonnoir. L'entonnoir de conversion, aussi appelé tunnel de conversion, est un schéma qui permet de visualiser le parcours d'un visiteur, étape par étape, jusqu'à ce que celui-ci soit converti. Selon vos objectifs, le mot converti peut vouloir dire différentes choses. Vous pouvez vouloir convertir votre visiteur en simple utilisateur, en abonné, en client, en donateur, en recommandeur. Chaque étape du parcours vers la conversion correspond à un sous-objectif ou micro-conversion. Lis un test, fais défiler, scroller la page de haut en bas, cliquez sur un lien ou un bouton, regardez un article, ajoutez un panier, remplir et soumettre un formulaire. À chaque étape, le visiteur avance ou quitte l'entonnoir. Lorsqu'il le quitte, l'entonnoir s'amincit, autant pour moi. En fait, ce sont les pertes de trafic qui donnent au schéma la forme d'entonnoir. Si 100% des visiteurs se convertissaient, alors le schéma aurait une forme rectangulaire. Le nombre de visiteurs que vous perdez par rapport à votre nombre total de visiteurs s'appelle le taux de perdition ou churn rate. L'intérêt de l'entonnoir de conversion est donc de visualiser à quelle étape du parcours utilisateur vous perdez plus de trafic que vous ne devriez. Il permet assez facilement de voir quels sont les points faibles de votre stratégie marketing, de les analyser et de faire des tests pour les corriger. Structurez votre entonnoir de conversion selon le cycle de vie du client. Avant, pendant et après leur parcours dans votre entonnoir, vos cibles et futurs clients passent par différentes phases. On appelle ça le cycle de vie du client. Si tout se passe bien, le cycle de vie de vos clients s'articulera de la façon suivante. Vos cibles ou suspects sont des personnes qui, après vous, seraient intéressées par votre offre. Vous allez donc les visiter en les exposant à votre marque ou vos produits. Notez que tant que vous n'avez pas leur attention, vos cibles ne sont pas forcément au courant de vous et votre offre et que votre offre existe. Vos visiteurs sont les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre offre. Elles prennent en effet le temps de visiter votre site. Vos prospects sont les personnes qui, après avoir pris connaissance de votre offre, semblent là vous payer pour votre offre. On utilise le terme anglais « lead ». Vos clients sont les personnes qui ont acheté chez vous au moins une fois. Certains clients restent actifs avec le temps et vous payent régulièrement pour votre offre. D'autres clients sont passifs. Votre challenge est alors de les réactiver. Vos ambassadeurs sont souvent vos clients les plus fidèles. Ils ont été tellement satisfaits par votre offre qu'ils la recommandent autour d'eux, attirant ainsi de nouveaux visiteurs, voire de nouveaux prospects. Ces phases se succèdent plus ou moins vite en fonction de l'efficacité de vos actions marketing. Plus une personne est loin dans le cycle, plus elle est précieuse pour vous. Pensez à la méthode AIDA pour convertir votre audience en client. Puisque tous vos interlocuteurs n'en sont pas à la même phase de ce cycle, ils n'ont pas tous les mêmes attentes. Dans la première partie, on a vu qu'une force marketing digital était la personnalisation de la relation client. À vous donc de différencier votre communication et vos actions marketing en fonction de votre interlocuteur. Pour illustrer cette idée, disons que vous exposez une de vos cibles à votre marque et vos produits pour la première fois. Votre ambition finale est d'en faire un client fidèle. Pensez-vous que cette première exposition est le bon moment pour faire la promotion de votre programme de fidélité? Inversement,
Cela vous paraît-il logique d'adresser des offres de découverte à quelqu'un qui est déjà client? Dans un cas comme dans l'autre, vous gaspillerez votre temps et votre budget marketing. Pour éviter le gaspillage et tirer un maximum de votre budget marketing, je vais vous apprendre à séquencer et prioriser vos actions avec le modèle AIDA. Le modèle se décompose en 5 phases successives. Attirer l'attention, susciter l'intérêt, stimuler le désir, faire passer à l'action, fidéliser pour faire recommander. Logiquement, les phases du modèle AIDA correspondent aux phases du cycle de vie du client que je vous ai présentées un peu plus tôt dans ce chapitre. Cycle de vie, cible, visiteur, prospect, client, ambassadeur. AIDA, attention, intérêt, désir, action, recommandation. Le modèle AIDA amène vos clients de la catégorie cible à l'ambassadeur. Dans cette partie, on va voir comment le modèle AIDA nous aide à appréhender chaque phase de la relation client. On en profitera pour explorer les notions incontournables et passer en revue les techniques et les méthodes essentielles. En résumé, dans ce chapitre, vous avez découvert qu'un entonnoir de vente permet de visualiser le parcours de vos clients, que le cycle de vie de vos clients passe par 5 grandes phases progressives: cible, visiteur, prospect, client, ambassadeur. Que la méthodologie AIDA vous permet de faire passer votre audience d'une phase à l'autre avec des stratégies pour attirer l'attention, susciter l'intérêt, stimuler le désir, faire repasser à l'action et obtenir des recommandations. Voyons maintenant le détail de chacune des étapes de cet entonnoir et apprenons comment optimiser nos campagnes marketing afin d'obtenir des meilleurs résultats possibles. D'accord. On explique. Dans cette partie, il est essentiellement question de montrer comment gérer la relation client en ligne. Ce n'est pas une tâche facile parce que même si en ce qui concerne le marketing traditionnel, dans sa performance de recrutement des clients, elle paraît pas vraiment forte, elle reste néanmoins le meilleur moyen de gérer une relation client face-to-face. Parce que quand tu as un client en face de toi, cela dépend de comment tu lui fixes dans les yeux et comment tu lui parles dans les yeux pour réussir à faire de lui un client. Mais comme l'autre volet de ce secteur de l'activité révèle d'une faiblesse dans le recrutement des clients, on fait donc appel au marketing digital qui, lui, augmente cette capacité à recruter facilement des clients. Sauf que là où il y a un avantage, il y a aussi un inconvénient. L'inconvénient, donc, ici, c'est de comment donc gérer cette relation client en ligne. Et ce volet, ce cas de figure, révèle tout simplement de la compétence exclusive du community manager. Parce que le travail de chercher ces clients-là, le travail de faire ce recrutement qui a été un succès total, révèle du marketing digital. Maintenant, quand il est question de gérer donc maintenant ces clients en ligne, ça révèle du community manager. Maintenant, ici, on ne parle pas du community manager, on parle juste des stratégies qui implique le marketing digital sur comment donc réussir à fidéliser ces clients-là. Si le plan marketing désormais n'est plus un secret, donc, il faut donc désormais avoir d'autres clés pour aider à exécuter ou améliorer ce qu'on entreprend sur Internet. Donc, après avoir dressé un plan marketing, il faut savoir maintenant gérer ces personnes qui font ce qu'on appelle un retour vers la société. Le premier outil qui est très indispensable ici, c'est un outil d'analyse, l'entonnoir de conversion.
qui est un concept fondamental pour mesurer le cycle de vie d'un client. Et cela se résume autour d'une méthodologie incontournable qu'on appelle AIDA. Cette partie donc a pour objectif de vous donner une vision plus globale de la relation client en ligne. Avec cette perspective supplémentaire, donc, il sera beaucoup plus facile pour vous de porter un regard critique sur vos actions et d'améliorer leur performance. Quand cette partie est maîtrisée par un marketiste digital, il lui serait très difficile de recruter et de laisser partir. Maintenant, il est question donc d'analyser le parcours des prospects jusqu'à l'achat, parce que c'est ça le but du marketing digital. Si tout ce que tu fais, il n'y a pas conclusion d'affaires, tout ce qu'on va dire, c'est qu'il y a eu échec total. En marketing digital, donc, vous verrez beaucoup d'analyses et de tests. Pour chaque action marketing mise en œuvre ou bien mise en place, vous devrez comprendre pourquoi elle a fonctionné ou non. C'est très important. Parce que si tu as compris pourquoi ça a fonctionné, ça sera satisfaisant parce que tu vas l'enregistrer sachant que désormais, ça révèle d'une compétence. Maintenant, si tu sais pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est encore très important parce que ça révèle d'un manquement que tu vas devoir corriger. Alors, cette attitude donc permettra d'optimiser les actions, d'arrêter d'utiliser certaines techniques ou de commencer à en utiliser des nouvelles, d'ajuster les prix si jamais le problème se pose au niveau du prix, d'ajuster les prix. Si le problème se pose au niveau du produit, d'ajuster le produit. Si le problème se pose au niveau de la distribution, d'améliorer la stratégie de distribution. En d'autres termes, c'est en faisant donc des tests que vous finirez par trouver la stratégie qui vous permettra d'atteindre au mieux les objectifs que vous avez fixés. Maintenant, quand on dit autrement que chaque élément du marketing mix et chaque technique marketing que vous allez illustrer comme étant indépendant sur le web ou ailleurs doit être une stratégie marketing gagnante, c'est avant tout une combinaison de bons choix marketing qui se fait d'abord en amont. Ça paraît peut-être abstrait, oui, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est très normal. La notion du système est difficile à se représenter pour beaucoup de gens. C'est pour ça, en fait, que on a donc catégorisé ça autour d'un entonnoir pour que ce soit plus évident à comprendre. L'entonnoir de conversion, donc, ici appelé tunnel de conversion, c'est un schéma qui permet de visualiser le parcours d'un visiteur étape par étape jusqu'à ce que tu réussisses à le convertir. Ça se fait également selon les objectifs. Le mot convertir peut vouloir dire différents mots, différentes choses. Mais il est question pour toi de pouvoir le convertir, de convertir ce visiteur de manière officielle. Il peut venir, tu le convertis en utilisateur. Il peut venir, tu le convertis en abonné. Ça dépend de ce que tu cherches. Il peut venir, tu le convertis en client, si c'est un client que tu cherches. Tu le convertis en donateur, si c'est un donateur que tu cherches. Tu le convertis en recommandeur si c'est un recommandeur que tu cherches. Chaque étape du parcours vers la conversion correspond à un sous-objectif. Ça dépend de ce que tu recherches, mais tu dois réussir à le convertir. Lire un test, faire défiler la page de haut en bas, cliquer sur un lien ou un bouton, regarder un article, ajouter un panier, remplir ou soumettre un formulaire. À chaque étape, le visiteur avance ou quitte l'entonnoir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Si tu n'as pas l'expérience de pouvoir le conserver dans cet entonnoir-là, à chaque étape,
dis-toi en esprit que la façon dont tu vas te comporter, il peut à tout moment quitter l'entonnoir. Maintenant, lorsqu'il quitte l'entonnoir, en fait, ce sont des pertes du trafic donc, qui donnent un schéma sous la forme d'un entonnoir de plus en plus retressé. Parce que quand on va entrer en pratique, tu vas comprendre cette partie plus pratiquement parce que quand tu vas programmer une campagne publicitaire ciblée, on va te dire que cette campagne que tu programmes dans la ville de Douala, exclusivement dans la ville de dans le quartier Akwa, a pour audience potentielle 1 million de personnes. Là, l'entonnoir est très grand. D'accord? Au fur et à mesure que tu vas donc entrer en action, si les 1 million de personnes qui étaient estimées être ton audience, tu réussis à les garder jusqu'à la fin, ton entonnoir ne saurait être retrécit. Ça ne saurait s'amincir. Ça va plutôt descendre sous une forme carrée parce que tu as conservé toute l'audience. Mais comme il est impossible de contenir toute l'audience, c'est l'entonnoir d'une manière ou d'une autre s'amincir parce que tu n'arriveras pas à la fin de ton trafic avec les 1 million de personnes. Si tu fais trop, si tu as été très forte dans le ciblage, dans les 1 million de personnes, tu vas toucher en moyenne 10 000 personnes. Et pour finir même, ceux qui vont finir par revenir vers toi seront en moyenne 50 personnes. Voilà un entonnoir que tu as défini grand, qui a fini par s'amincir jusqu'à te donner un petit objectif. Néanmoins, ce n'est pas petit quand ça se fait de manière régulière. Même dans cet entonnoir, des gens qui sont sortis au cours du chemin, tu peux encore les récupérer dans le cadre d'une autre campagne. Et quand ils vont entrer, ils vont donc progresser également. Ça dépend. Peut-être ce que tu avais programmé en ce moment n'était pas utile pour eux et que ce que tu vas programmer plus tard sera utile pour eux et ils vont continuer tout simplement l'aventure dans cet entonnoir jusqu'à l'objectif. Donc, le nombre de visiteurs que vous perdez par rapport à votre nombre total de visiteurs s'appelle le taux de perdition. Oui. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut noter. Parce que l'audience estimée à la programmation d'une campagne n'est jamais la même valeur qu'on obtient quand on est à l'arrivée. L'intérêt donc de l'entonnoir de conversion est donc de visualiser à quelle étape du parcours l'utilisateur vous perd. Donc, ça permet de savoir à quel niveau exactement les gens sont sortis dans le trafic. Il permet assez facilement de voir quels sont les points faibles de votre stratégie marketing, de les analyser et de faire des tests pour les corriger. Voilà à quoi ça sert. Maintenant, il est question de structurer parfaitement ton entonnoir de conversion selon un cycle de vie. Il faut savoir que avant, pendant et après le parcours de tes clients dans ton entonnoir, tes cibles et futurs clients passent par différentes phases. On appelle ça le cycle de vie. Si tout se passe bien dans ce cycle de vie-là, le client s'articulera de façon suivante. Ça veut dire quoi? Si tu as eu une audience à l'entame, tu as programmé une audience dans Douala Market Pay de 1 million de personnes et que ce cycle de vie se passe bien, voilà ce que tu auras. La cible ou bien le suspect, ce sont les personnes qui, d'après vous,
seraient intéressés par votre offre. Vous avez donc les visés en, donc tu les as donc visés en exposant une marque ou des produits. Il faut noter que vous n'avez pas leur attention. Donc, c'est juste une cible. Vos cibles ne sont pas forcément au courant que vous les avez proposé une offre. Donc, jusqu'ici, il est seulement une cible. Et en réalité, toi et lui, vous n'avez aucune relation. Maintenant, si tu as réussi à le convertir en visiteur, ce sont les personnes donc qui sont susceptibles d'être intéressées par votre offre. Donc, il a fini par voir l'offre, il est intéressé. Ils prennent donc en effet le temps de visiter votre site. Il est en train de faire ce qu'on appelle un check sur ce que tu lui montres. Il a fini de faire le check, il est satisfait, il devient prospect. Ce sont des personnes qui, après avoir pris connaissance de votre offre, semblent la désirer. Elles sont potentiellement prêtes à vous payer pour votre offre. On utilise donc beaucoup le terme en anglais lead, donc il devient contact. Oui. Il a donc déjà l'envie de payer, du moins il a même déjà payé, alors c'est un client. Ce sont les personnes qui ont acheté chez vous au moins une fois. Certains clients restent actifs avec le temps et vous payent régulièrement pour votre offre. D'autres clients sont passifs. Votre challenge alors est de les réactiver. Quand tu réussis donc à bien les entretenir, ils deviennent des ambassadeurs. Ce sont souvent des clients les plus fidèles. Ils ont été tellement satisfaits de votre offre qu'ils la recommandent aussi à d'autres personnes. Donc, voilà en fait à quoi renvoie le cycle de vie d'un client. Quand c'est respecté, on arrive à cet objectif-ci. Il est donc important de penser à la méthodologie AIDA pour convertir une audience en client. C'est important, comme je le rappelais plus haut. Et ça renvoie à cinq facteurs susceptibles. Il faut attirer l'attention. Il faut susciter l'intérêt. Il faut stimuler le désir. Il faut passer à l'action. Ensuite, il faut fidéliser pour que cette personne recommande. Voilà à quoi renvoie l'action des cinq phases du AIDA. Donc, la relation directe qu'il y a entre ce cycle de vie et ce cycle AIDA est étroitement liée. La cible, c'est quelqu'un que tu as attiré son attention. Il est devenu un visiteur. Tu lui as suscité l'intérêt. Il est devenu un prospect, tu lui as suscité le désir. Il est devenu un client, tu lui as suscité l'action. Il est devenu un ambassadeur, désormais il recommande. Je ne sais pas si tu vois le lien. Je vois. Voilà. Tu dois être capable, en tant que professionnel de la chose, de faire ça avec tes clients. Tu dois être capable qu'un client arrive chez toi ou une cible que tu as, vers qui tu as lancé. Tu as lancé ton dévolu, arrive vers toi, tu réussis à faire en sorte qu'il reste pour toujours. L'entonnoir donc le présente très bien. Quand on a une cible, après, il devient un visiteur, ensuite, il devient un prospect, ensuite, il devient un client et il devient un ambassadeur. Ça s'amincit parce que l'audience au niveau de la cible est de 1 million. Le nombre de visiteurs est descendu à 500 000. Les prospects sont devenus à 100 000. Les clients actuellement sont à 10 000. Tu as finalement, supposons que tu as finalement eu 100 clients. C'est pour ça qu'on met la valeur euro pour dire que là-bas, ils sont déjà passés à l'achat. Et parmi ces 100 personnes, il y a 50 personnes qui sont devenues ambassadeurs de ta marque. C'est très important pour la vie de ton projet. Voilà, donc je crois que c'était très important qu'on apporte beaucoup d'éclaircies à cette partie parce que ça revêt de la technique et de la stratégie de la marketing digital. Puisque le faire en ligne n'est pas évident, pas du tout évident. Or,
Le faire en présentiel est facilement faisable, mais en ligne, ça révèle vraiment de beaucoup de compétences. Voilà. Tu peux continuer. D'accord. Tu enregistres? Oui. Ah, d'accord. Parce que je ne me signale pas. Non, j'enregistre. Ne t'inquiète pas. OK. Alors, on passe au premier point qui a attiré les visiteurs sur votre site Internet. Mm-hmm. Comme promis, je vais vous montrer comment le modèle AIDA vous permet de différencier votre communication selon la phase du cycle de vie du client. Est-ce que vous vous souvenez de la première phase du cycle de vie du client et de la deuxième? Votre client est d'abord une cible, puis un visiteur. Dans ce chapitre, je vais donner quelques conseils pour mieux convertir vos cibles en visiteurs. Mais d'abord, je vais prendre un peu de temps pour poser les bases de la communication. Communiquer efficacement en restant humain. À première vue, le marketing digital et ses communications massives peuvent paraître déshumanisants. Instinctivement, l'obsession pour les données et la performance semble contradictoire avec la notion de relations humaines. Croyez-moi, l'un n'empêche pas l'autre. J'irai même jusqu'à dire que le marketing digital ou traditionnel est avant tout une question de relations humaines. L'efficacité de vos communications dépend de votre capacité à vous connecter avec le récepteur de votre message. Le support de communication que vous utilisez, que ce soit un écran ou autre, n'est qu'un média, un canal de communication. Il vous sert simplement à canaliser votre communication vers les bonnes personnes. N'oubliez jamais qu'en bout de course, votre message touche les individus un par un. Attirer l'attention de l'audience ciblée. Quand il s'agit de commencer à développer une relation, qu'elle soit digitale ou non, commerciale ou non, la première étape est toujours la même. Vous devrez attirer l'attention de quelqu'un. En marketing, il est d'usage d'utiliser l'originalité par une vache pourpre. Ce concept permet de bien comprendre l'intérêt de sortir du lot. Il vient de l'ouvrage du même nom, Purple Core, rédigé par l'une des figures emblématiques du marketing, Seth Godin. Dans ce livre, Seth Godin explique qu'à force de voir des vaches de la même couleur, on se lasse de regarder le troupeau. Or, il suffirait qu'une vache soit pour qu'elle devienne remarquable. Il en va de même pour les produits et services qui doivent trouver une façon de se démarquer afin de susciter l'intérêt du marché. De nos jours, les consommateurs sont tellement sollicités que leur attention est devenue une ressource rare. On parle même d'économie de l'attention. Dans certains secteurs, des dizaines, voire des centaines d'annonceurs sont en compétition pour l'attention de la même cible. Cela fait grimper le prix des espaces publicitaires et diminue l'efficacité des actions marketing. Mais ne vous laissez pas abattre. Dans cette foule d'annonceurs, tous ne maîtrisent pas les techniques de marketing fondamentaux ou de neuromarketing qui permettent de faire sortir votre message du lot. Le neuromarketing est l'application des sciences cognitives au marketing. Autrement dit, l'étude des mécanismes cérébraux qui influencent le comportement d'achat. Ce que vous devez savoir du neuromarketing, c'est que la communication passe par tous les sens.
En marketing digital, vous vous servirez principalement de la vue, mais aussi de l'ouïe. Dans certains cas, vidéo marketing, marketing de contenu audio. Lorsque vous communiquez auprès de votre cible, de vos cibles, choisissez donc méticuleusement les mots, mais aussi les visuels que vous utilisez. Quand il s'agit d'attirer l'attention, les mots sont importants, mais secondaires par rapport au visuel. Dans un paysage publicitaire saturé, l'œil du consommateur ne prend pas le temps de lire entièrement les messages rédactionnels auxquels on l'expose. Il faut d'abord le tri en scannant les images, puis les gros titres et les sous-titres. Attirer l'attention avec un visuel. On dit parfois qu'une image vaut 1000 mots. Le nombre 1000 est peut-être un peu arbitraire, mais l'argument sous-jacent reste valide. Les images sont extrêmement importantes. Pour qu'un visuel soit efficace, il doit donc interpeller les choses qui semblent interpeller le plus grand nombre de personnes. Sont les choses étrangères, étranges, surprenantes, intrigantes ou excentriques. Les couleurs vives, la nourriture, les animaux mignons ou exotiques, les humains attirants en bas ou en bas âge. Combo, les humains attirants donnant à manger à des bébés, animaux aux couleurs vives de manière surprenante. Toutes les entreprises n'ont pas pour objectif d'attirer le plus de personnes possible. Ces astuces ne sont donc pas des règles universelles applicables à toute situation, mais plutôt des éléments de réflexion sur le genre d'image qui attire l'attention. Attirer l'attention à l'aide du test. La taille de votre police de caractère se veut être un indicateur de l'importance du message. En théorie, plus votre texte sera écrit en gras, plus il attirera l'attention. Par contre, plus il sera long, plus il représentera un effort pour le lecteur et moins il aura de chances d'être lu. Chaque caractère de chaque mot, de chaque ligne compte. Écrire des textes pour le marketing, copywriting, c'est écrit de manière précise et concise, sans quoi votre message sera noyé dans sa propre masse. Pardon. Utilisez des bons mots-clés. Soyez personnel et direct. Bon, Bernou. À l'occasion, allez faire un tour sur ta page. Pardon? Non, vas-y, vas-y. À l'occasion, allez faire un tour sur la page Tendance de YouTube pour analyser les vignettes et les titres qui marchent le mieux. Je vous aurais bien invité à y aller maintenant, mais j'ai peur que cette vidéo attire trop bien votre attention, que vous ne reveniez plus pas sur le coup après. S'adresser à tout le monde, c'est ne s'adresser à personne. Soyez créatif pour attirer l'attention avec des techniques, avec ces techniques alternatives. Ce qui est nouveau attire l'attention. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, aussi triste que ça puisse paraître. Certains marketeurs peu scrupuleux se servent donc de la misère des gens pour attirer l'attention et ensuite leur vendre un produit, un service ou une idée. Le bad buzz reste du buzz. Certaines personnes préfèrent faire parler d'elles en mal que pas du tout. C'est notamment le cas de certaines célébrités pour qui la notoriété est la source première du profit. Ainsi,
Ceux qui maîtrisent l'art du bad buzz basent leur communication autour de la provocation pour s'assurer la réaction des audiences et occuper le paysage médiatique. Autrement dit, être détestable peut rapporter gros. Si vous êtes une organisation et non une célébrité, je vous conseille de subir votre réputation plutôt que de la ternir volontairement. Toutes ces astuces sont utiles si vous cherchez à attirer l'attention d'un maximum de gens. Elles ne s'appliquent pas pour autant systématiquement à toutes les organisations. La communication d'une entreprise, qu'elle soit nouvelle ou visuelle ou textuelle, doit respecter la charte graphique et la ligne éditoriale de celle-ci. Toutes les organisations ne peuvent pas se permettre d'utiliser des couleurs vives, des chiots ou du sucre pour attirer l'attention de leur cible. Au contraire, si votre ciblage est très restreint, comme celui d'une marque de luxe, par exemple, vous exclurez volontairement les codes populaires qui n'intéressent pas votre cible. Rien ne sert d'attirer l'attention de quelqu'un si on ne suscite pas son intérêt. À vous d'adapter votre communication en fonction du positionnement marketing de votre organisation pour intéresser vos cibles. Susciter l'intérêt. Susciter l'intérêt pour obtenir des visiteurs sur votre site. Pour attirer l'attention de votre cible est une chose. Susciter son intérêt en est une autre. Si vous voulez que vos cibles visitent votre site, il faudra leur donner une bonne raison de le faire. Vous avez dû sélectionner vos cibles parce qu'elles ont un intérêt pour ce que vous faites. Si vous attirez l'attention de personnes qui n'ont pas d'intérêt pour votre offre, c'est que votre ciblage est trop large. Si une cible a tout pour être intéressé par votre offre, mais qu'elle ne l'est pas, c'est que vous n'avez pas su exprimer en quoi votre offre est intéressante pour cette personne. Le cerveau humain est constamment, consciemment ou non, en train de scanner son environnement à la recherche d'opportunités pour améliorer sa condition, de menaces à éviter. Vous pouvez exploiter ce mécanisme très primaire pour susciter l'intérêt. Ainsi, votre cible trouvera immanquablement son intérêt dans la résolution de ses problèmes actuels ou de ses problèmes anticipés. Un message d'invitation à visiter votre site doit donc être exprimé comme une invitation à résoudre un problème pour votre cible. Mesurer la conversion des cibles en visiteurs. Comment mesurer la performance de mes efforts pour attirer des visiteurs? Imaginons que pour exécuter le plan marketing de Mumin, Zoé lance une campagne de publicité en ligne avec Facebook Ads avec un budget de 5 000 euros. Disons qu'elle a pu afficher sa publicité 5 millions de fois dans le fil d'actualité de ses cibles. On dira que sa publicité a fait 5 millions d'impressions. Il y a différentes façons de payer pour de la publicité en ligne. Vous pouvez notamment payer au nombre d'impressions ou au nombre de clics. Coût pour 1 000 impressions. Pour 1 000 impressions, c'est si Zoé décide de payer au nombre d'impressions, alors son coût pour 1 000 impressions sera de 1 euro, donc CPM égale coût de la campagne sur le nombre d'impressions fois 1 000. CPM égale à 1 000 sur 5 000 fois 1 000 égale à 1. Coût par clic. Disons que maintenant qu'avec 5 000 euros, Zoé a pu gérer générer 75 000 clics.
Si Zoé décide de payer au nombre de clics, alors son coût pour 1000 clics sera de 0,06 euros. Donc, coût pour 1000 clics égale coût pour l'annonceur sur nombre de clics. CPC sera égal à 5000 sur 75 000 est égal à 0,06. Taux de clic. Pour mesurer l'efficacité de la publicité, Zoé peut observer un indicateur qui s'appelle le taux de clic ou CTR, click through rate. Voilà comment on le calcule. CTR égale nombre de clics sur le nombre d'impressions sur 100. Ce qui nous donne 75 000 sur 5 millions fois 100 égale à 1,5. Dans cet exemple, le taux de clic de la campagne de Zoé est de 1,5%, ce qui est plutôt excellent. Plus la campagne, la publicité attirera l'attention et suscitera l'intérêt des cibles, plus ce taux augmentera et plus votre campagne vous rapportera de visiteurs. En résumé, dans ce chapitre, vous avez appris comment transformer votre audience cible en visiteur. Pour votre site, cela passe par une communication humaine avec un message fort qui permet de créer du lien avec l'audience. Des techniques pour attirer l'attention à l'aide de visuels, de tests ou de méthodes alternatives. La transformation de cette attention en intérêt et enfin la mesure de vos efforts pour analyser votre performance et le coût de vos visiteurs. Vous avez donc compris comment faire progresser votre cible vers la phase suivante de votre tunnel. Désormais, vous devez simuler le désir afin de convertir vos visiteurs en prospects. OK, merci pour cette très belle lecture. On va le parcourir ensemble. Voilà. Dans cette partie, il était question de montrer comment attirer des visiteurs sur un site Internet. Je te rappelle, au début de cette formation, je t'ai dit que quand on parle de marketing digital, ça renvoie tout simplement à toute action qu'on doit mener dans un site Internet. Parce qu'en réalité, si une entreprise doit exister, elle doit avoir un site Internet qui est bien animé et qui est bien contrôlé par des professionnels qui sont des marketeurs digitaux. Donc, tout le travail dont on parle là, ça se fait dans un site Internet par le biais des supports numériques que nous connaissons tous, entre autres Facebook, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Instagram et ce que tu connais aussi. Maintenant, on est en train de vouloir nous montrer comment attirer des visiteurs sur un site Internet. Si la compréhension sur le modèle AIDA a été bien perçue, alors, ça signifie tout simplement que désormais, tu peux toi-même rédiger un modèle AIDA à travers un canot pour matérialiser un peu à quel niveau tu as réussi un objectif. Ça veut dire, tu dresses ton entonnoir et tu regardes ce que tu as mené comme action et tu te demandes à quel niveau de cet entonnoir tu as réussi à mener vraiment cette action. Ça peut être que la cible que tu as pris, immédiatement, tu l'as convertie en ambassadeur. C'est un succès. Ça peut être que la cible que tu as pris, tu l'as rapidement convertie en visiteur. C'est un succès. Ça peut être que, immédiatement, ce n'était même pas une cible. Aussitôt, il est arrivé, il est devenu un prospect et il est devenu un ambassadeur. C'est un succès. Donc, tu dois savoir maîtriser tout ça. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de discuter ou bien autour de cette formation à travers ces différents chapitres que nous sommes en train d'épiloguer depuis la semaine passée, ce n'est rien d'autre que de la communication. C'est tout. C'est de la communication. Entre autres, la communication digitale qui repose sur le marketing digital et le web community management.
Il est donc important de communiquer avec efficacité parce que les personnes avec qui tu fais ce travail, c'est des êtres humains. Ce n'est pas des robots. Donc, il ne serait pas tolérable que dans cette communication, tu aies eu des égarements vis-à-vis de ces personnes qui peuvent te sanctionner très lourd et entacher sur ta réputation ou entacher sur l'image ou la marque de ton entreprise. Donc, cette partie, il faut parfaitement l'écouter parce que ça révèle d'un secteur très stratégique dans l'approche du marketing digital. En première vue, le marketing digital et ses communications massives peuvent paraître déshumanisants. Instinctivement, l'obsession pour les données et la performance semblent donc contradictoires avec la notion de relations humaines. Mais il faut y croire, l'un n'empêche pas l'autre. Qui dit marketing digital dit communication digitale. Qui dit community management dit communication digitale. Donc tout ça, c'est du marketing digital. J'irais même aussi jusqu'à dire que le marketing digital ou traditionnel est avant tout une question de relations humaines. Allô? Oui, désolé, je répondais à un message là, il m'embête. Donc, j'irai jusqu'à dire que qui dit marketing digital ou marketing traditionnel ou community management renvoie à la communication digitale, qui n'est rien d'autre qu'une question de relations humaines. Donc, l'efficacité de vos communications dépend de votre capacité à vous connecter avec le récepteur dans votre message. Le support de communication que vous utilisez, que ce soit un écran ou un autre, c'est un support média. Ça dépend de ce que tu as utilisé. Tu as utilisé, ce n'est qu'un média. Ça peut être ta petite sœur que je confie un message. Je dis à ta petite sœur que, dis à Hello Patience que la formation commence demain à 16h. Ce que ta petite sœur est venue te dire, elle est un média, elle t'a passé un message. Je l'ai utilisé comme support. Oui, oui. Comme je peux également utiliser un ordinateur pour te passer ce message-là, c'est un support, c'est un média. Un téléphone, c'est un support, c'est un média. C'est un canal de communication. Donc, le moyen que j'ai utilisé pour arriver jusqu'à toi, pour te passer cette information, c'est ce canal de communication. Il vous sert donc simplement de canaliser votre communication vers les bonnes personnes. N'oubliez jamais qu'en bout de course, votre message touche des individus un par un. Il faut bien le noter. Donc, dans ce que tu dis dans une assemblée, c'est chacun qui prend sa part dans ce que tu as dit et comprend ça dans son langage et son patois à lui. Tu vas entendre souvent des histoires du genre un même message qui a été communiqué, chacun a fait son analyse, c'est sorti comme c'est sorti. Parce que la communication, c'est ça. Les personnes qui ont reçu cette communication, chacun l'a entendu à sa façon et a interprété à sa façon. Attirer l'attention donc de l'audience ciblée. Quand il s'agit de commencer à développer une relation, qu'elle soit digitale ou non, commerciale ou non, la première étape est toujours la même. Vous devez attirer l'attention de quelqu'un. Il va de même quand tu as un entretien d'embauche. Quand tu as un entretien d'embauche, la personne qui est en face de toi, si malheur à lui, il a fait un professionnel de la communication, il ne va pas s'en sortir. Je dis bien, le recruteur ne va pas s'en sortir. Parce que ce professionnalisme-là va d'abord tout faire pour attirer son attention. Ça peut passer par des actes qui n'ont rien à voir avec l'objet de l'entretien. Le gars peut arriver là, il a un entretien avec moi à 10h. Première des choses, il débarque à 8h00.
Voilà un élément qui permet qu'il commence à attirer mon attention. Moi, j'arrive à mon bureau à 12 heures. Ma secrétaire me dit que ce monsieur est là et vous attend depuis 10 heures, depuis 8 heures. Pourtant, son entretien est prévu pour 10 heures. Je vais dire, OK, je vais entrer dans mon bureau et je vais commencer à m'interroger sur sur sa promptitude à répondre à l'heure, à l'avance. Ça, c'est une façon déjà d'attirer mon attention. Quand l'heure de son entretien arrive, je demande qu'on lui fait entrer. Il entre, il me dit bonjour, je dis bonjour, monsieur. Il me fixe dans les yeux, il apprécie ma cravate. Alors là, en lui disant merci, parce que je ne saurais ne pas dire merci, puisqu'il m'a apprécié ma cravate, il continue d'attirer mon attention. Il cherche encore quelque chose dans mon environnement pour continuer d'attirer mon attention. En ce moment, avant qu'on entre même dans le vif du sujet, je suis là dans sa peau. Je suis prêt à l'écouter. Mm-hmm. Je suis prêt à l'écouter. Je suis même prêt à aller à l'aider si jamais il ne fait même pas ce qu'il devait faire normalement. Donc, en marketing, il est d'usage d'illustrer l'originalité au professionnalisme. C'est très important. Dans le cadre du cours, on a une image qui montre des bœufs. Si tu veux faire une communication digitale, il ne faut pas que tu te retrouves à tout moment en train de faire une publication en présentant des bœufs de la même couleur. À un moment donné, ça sera déjà du trop vu. On a déjà trop vu ça. Du coup, les gens n'auront plus trop l'envie de répondre ou bien de réagir face à ça. Parce que ce n'est pas différent de ce que tu as fait il y a une semaine. Pour que leur attention soit attirée de nouveau, t'achètes un peu le bœuf en une autre couleur. Et même si c'est une couleur qu'on n'a même pas l'habitude de voir sur le bœuf ou sur la vache, mets un peu ça sur lui et vas-y, fais une publication. Les gens vont venir te demander, ça c'est quelle marque de bœuf? Là, tu réussis encore à attirer leur attention. Et derrière ça, tu fais ce qu'on appelle passer ton message. Il en va de même pour les produits et les services. On doit trouver une façon de se démarquer afin de susciter l'intérêt de son marché. Je te prends un cas de figure. J'étais en entreprise hier. J'étais face à un chef d'entreprise, un directeur d'un très grand hôtel qui a apprécié notre proposition d'offre de service et nous a demandé de venir. Alors, quand nous sommes arrivés avec mon équipe, déjà, la première des choses qu'il fallait faire était d'attirer son attention. L'environnement dans lequel on se trouvait n'était pas nécessaire d'utiliser pour attirer son attention. Il fallait donc maintenant trouver une autre chose qui renvoyait nettement à ce quoi tu viens pour que vous échangez. Premièrement, lui mettre immédiatement face aux responsabilités qui lui incombent dans laquelle il n'a pas encore répondu présent, entre autres le digital. Tellement je l'ai inquiété à ce niveau que quand nous sommes partis, c'est lui encore qui me disait, pardon, ne me bombarde pas seulement le prix, parce que ce que tu m'as dit, je ne fais que réfléchir. De nos jours, donc, les consommateurs sont tellement sollicités que leur attention est devenue une ressource très rare. C'est entre autres l'économie de l'attention. Ça révèle de toute une stratégie. Dans certains secteurs, des dizaines, voire des centaines d'annonceurs sont en compétition pour l'attention de la même cible. Tu vas voir, dans le cas des sociétés brassicoles, pendant que Guinness dit que désormais, mon étiquette ne sera plus noire, ça va devenir jaune maintenant. Le capuchon, s'il ne va plus être noir, ça va devenir bleu.
Kadjibier va dire que désormais, mon étiquette ne va plus aussi être comme ça, ça va devenir comme ça. C'est une compétition, c'est devenu une compétition. À ce moment, il est question d'utiliser cette stratégie pour attirer l'attention des consommateurs. Parce qu'il faut toujours qu'un consommateur se demande, là où on a changé l'étiquette et le bouchon, là, ça veut dire que peut-être le boussier même est différent. Même si on n'a pas dit, il aura par curiosité, il aura envie d'acheter une bouteille de Guinness nouvellement faite et nouvellement conçue, peut-être dans un autre emballage nouvellement fait également, pour chercher à satisfaire sa curiosité. Peut-être le goût l'a changé. C'est ça, en fait, l'efficacité des actions marketing. Aussi, c'est quoi la ligne éditoriale? Pardon? La ligne éditoriale, c'est quoi? La ligne éditoriale, c'est le chemin. Quand tu crées, par exemple, un projet, quand tu mets sur pied un projet, tu définis ta ligne éditoriale, tu définis ta charte éditoriale. Ça signifie tout simplement, tu définis comment ton entreprise va marcher, à quoi concrètement renvoient les services de ton entreprise. Je vais te prendre deux exemples très, très concrets sur le terrain que tu vas facilement voir. La ligne éditoriale de Vision 4, tu vois bien à quoi ça renvoie. Ils ont créé cette chaîne de télévision pour une seule chose, anéantir toute personne qui voudrait s'apprendre au pouvoir en place. Donc, toute émission qu'ils procurent, tout ce qu'ils font là-bas, doit soutenir le pouvoir en place. Maintenant, il faut combattre les gens qui veulent détruire le pouvoir en place. C'est ça, sa ligne éditoriale. Tu montes, tu descends, il ne changera pas de point de vue. C'est comme ça que le gouvernement l'a conçu et c'est comme ça qu'on le connaît. Je prends encore le cas d'une autre chaîne de télévision, Equinox. Sa ligne éditoriale n'est rien d'autre que renseigner les populations sur tout ce qui se passe, même si c'est que le Colombien a tué quelqu'un. Ils vont dire, si c'est toi le ministre de quoi, écris au directeur, tu dis que arrête ta publication là, c'est ton problème. Ça entre dans sa ligne éditoriale, il va publier. Donc, la ligne éditoriale, c'est le chemin que tu définis dans ton entreprise pour aller sur le terrain. C'est ce que tu traces pour la démarche de ton entreprise pour aller sur le terrain. Moi, je suis une entreprise de marketing digital et de community management. Ma ligne éditoriale consiste à aider les entreprises à améliorer leur présence sur Internet parce qu'il n'existe pas. Beaucoup d'entreprises n'existent pas sur Internet. Donc, ma ligne éditoriale, c'est ça. Et à côté de ça, aider les gens à mieux comprendre ce nouveau métier de l'avenir qui est le marketing digital à travers les formations. Voilà ma ligne éditoriale. Quelqu'un d'autre, sa ligne éditoriale va se limiter tout simplement aux formations. Mais la mienne va plus loin parce que je suis une entreprise certifiée et avec un statut formel. Tu vois la différence maintenant? Oui, je vois la différence. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, au niveau des cibles, là. Oui. Comment est-ce qu'on définit concrètement la cible? Comment est-ce qu'on définit la cible? Supposons que tu t'apprêtes à produire, à mettre sur pied une campagne publicitaire et que le produit que tu veux mettre en avant, c'est les mèches brésiliennes, indiennes, jamaïcaines, ça dépend de ce que vous dites souvent. Tu fais cette campagne-là, tu te dis que, OK, moi, je veux vendre mes mèches sur Internet. Première des choses, est-ce que tu auras possible un homme? C'est une question que je pose, hein, tu dois me répondre.
Ah, d'accord, non, non. Est-ce que tu auras pour cible un homme? Non. Première réponse, non. Est-ce que tu auras pour cible je dirais, est-ce que tu auras pour cible un enfant de 15 ans? Je préfère Non préciser plus. l'âge. Est-ce que tu auras pour cible un enfant de 15 ans? Non plus. Ta cible sera qui? Les jeunes filles entre 25 et 50 ans. Voilà, les jeunes filles entre 25 et 50 ans. N'est-ce pas, tu vas finir de configurer ça et dire que je recherche uniquement les jeunes filles entre 25 et 50 ans. Oui. Tu vas les chercher où maintenant? Tu veux les prendre où? À Yaoundé? À Douala? À Bapsa? Dans les deux, il y a un des doigts là. Voilà, supposons que c'est Yaoundé Douala qui t'intéresse. Quand tu finis, avec cette cible que tu as définie, une audience également, en fonction de ça, t'est proposée. On peut te dire, dans cette audience-ci, elles vont valoir 500 000 filles de 25 à 50 ans que tu vas aller sur le marché chercher. Oui, Ah. oui. Voilà. Et à partir de là, donc maintenant, quand tu vas enclencher dans cette campagne publicitaire-là, au fur et à mesure du parcours de cette campagne, ton entonnoir continuera de se rétrécir. Ton entonnoir va se rétrécir parce que dans ton trafic, il y aura des filles qui vont dire, moi, je ne suis pas intéressée par tes mèches présidentes parce que j'ai l'impression que ce n'est pas du vrai. Oui. Si jamais tu n'as pas fait le premier travail qui était de bien travailler ta stratégie de produit, beaucoup vont Ah. sortir de ton entonnoir à cause de la qualité. Beaucoup vont sortir de ton entonnoir à cause de ta stratégie de distribution. Beaucoup vont sortir de ton entonnoir à cause de la stratégie de prix. Peut-être ça coûte trop cher. Peut-être ça coûte très moins cher. C'est inquiétant. Ça dépend de tout ce que tu mets dans cette campagne qui finit par te donner un résultat. C'est la raison pour laquelle dans ce cours, on a commencé par définir ces différentes stratégies-là. N'est-ce pas? Voilà. Pour terminer et chuter maintenant sur des ciblages. Parce que tu ne saurais aller chercher une cible si tu n'as pas déjà d'abord travaillé ta stratégie. Voilà. Donc, c'est à ça que ça renvoie. Donc, D'accord. quand il s'agit donc d'attirer l'attention de tes cibles-là, les mots que tu utilises sont, attention aux mots, les mots sont importants, mais c'est secondaire par rapport au visuel, parce qu'il y a deux éléments qui, sur la toile, en cours de chemin, permettent de s'accrocher sur ce que tu es en train de proposer. Les mots, quand je parle de mots, je parle de rédaction. Oui. Les visuels que tu as conçus, dont les bannières que tu as conçues pour accompagner ça. Dans un paysage publicitaire saturé, l'œil du consommateur ne prend pas lui le temps de lire entièrement les messages rédactionnels auxquels tu l'exposes. Donc, quand il y a saturation, quand il se retrouve autour de plusieurs publicités, ce que tu as écrit ne l'intéresse pas. C'est en ce moment, il va d'abord s'attarder sur les visuels. Alors, il faut d'abord le tri en scannant les images. Il fait le tri en scannant Oui. les images, puis les gros titres et les sous-titres. C'est la raison pour laquelle moi, particulièrement chez moi ici, dans mes visuels, mes stratégies à moi, je n'utilise pas trop les images pour travailler. J'utilise pas trop les images parce que non seulement au niveau des coûts, ça me fait un peu tourner en rond, mais quand j'utilise des visuels vidéo, même si c'est des images que je conçois en visuel vidéo, le retour que je reçois est généralement plus performant parce que les personnes qui ont déjà vu peuvent revoir. Il s'agit d'une vidéo, ça dépend de comment j'ai monté. L'attractivité qui est derrière fait en sorte que quelqu'un qui a même déjà vu peut le voir. Oui, Maintenant, oui.
Il faut savoir donc attirer l'attention avec un visuel. On dit parfois qu'une image vaut 1000 mots. Hein? Deux fois une image vaut 1000 mots. Le nombre 1000 en réalité, est-ce qu'en réalité c'est peu arbitraire? Non. Mais l'argument sous-jacent reste valide. Les images sont extrêmement importantes. Pour qu'un visuel soit efficace, il doit donc interpeller les choses qui semblent interpeller le plus grand nombre de personnes. Il y a quoi en réalité autour des images? J'avais un peu expliqué ça à l'entame, avant qu'on entre complètement dans cette formation. Les choses étranges, surprenantes, intrigantes, excentriques, tout ça, c'est important dans un contenu visuel. Les couleurs de particulièrement vives, la nourriture, les animaux mignons, exotiques, ça dépend. Les humains attirants de haut, ça dépend. De toutes les façons, les humains attirants donnent à manger à des bêtes animaux ou couleurs vives de manière surprenante. Donc, conçois un contenu comme tu peux concevoir, mais rassure-toi que dans ce que tu as fait, il y a de quelque chose qui attire l'attention. Il faut que chacun qui entre là ait quelque chose qui le retient dans ce contenu. Et c'est pourquoi ça révèle également de toute une stratégie, comment concevoir un contenu visuel. Mm-hmm. Il faut également savoir attirer l'attention à l'aide de textes, donc à l'aide des rédactions. Il faut tenir compte la taille de la police de caractère, ça peut être un indicateur de l'importance du message. En théorie, plus le texte sera écrit en gros, plus il attirera l'attention. Par contre, plus il sera long, plus il représentera un effort pour le lecteur. Les gens comme moi, là, quand c'est encore trop beaucoup, je ne suis plus là. Donc, comme on dit souvent en un seul mot, dans ton texte, dans ta rédaction, sois précis et concis. N'est-ce pas? Oui. Et ça, le caractère doit être bien lisible. Il faut être créatif pour attirer l'attention avec des techniques alternatives. On va souvent, moi particulièrement dans le cadre de mes activités, comme on dit souvent, le malheur des uns procure le bonheur des autres. Aussi triste que ça puisse être ou ça puisse paraître, certains marketeurs utilisent généralement tout ça pour faire aussi, pour se créer une place, quoi, pour attirer l'attention et ensuite vendre leurs produits. C'est des stratégies, hein? À chacun de voir ce qui le convient bien. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, la stratégie de bad buzz. Quand on dit bad buzz, c'est le mauvais buzz, hein? Oui. Voilà. Ça signifie quoi? Hello Patience a envie de faire parler d'elle à travers son produit qu'elle vend. Elle est une belle femme, elle a de belles rondeurs, elle est brune, elle est jolie. Alors, elle trouve que c'est un atout pour attirer l'attention et elle envisage faire un bad buzz. Voilà. Elle décide donc porter des dessous, vraiment dessous, et décide d'aller sur Internet avec ça. Ce n'est pas pour parler de son produit, hein. Là, elle va d'abord pour montrer son corps. C'est tout le monde qui crie, qui s'inquiète, qui demande ça, c'est quoi, c'est qui ça, elle sort d'où et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que sa page commence à déclencher en abonnés, des personnes qui veulent bien suivre son affaire là. Elle fait ça sur un long temps et à un moment donné, ce qui se cachait derrière finit par sortir. Mais cette stratégie, deux fois marche, comme deux fois
ternissent carrément la réputation et la notoriété d'une marque. J'ai déjà eu à travailler sur ces projets. Il y a certains dans lesquels j'avais refusé cette stratégie et il y a d'autres dans lesquels j'avais accepté. J'avais accepté cette stratégie dans le cadre de l'entrepreneuse Marine Karine Mongwe. Tu dois la connaître, elle vient à Yaoundé. Oui, j'ai travaillé avec elle. Donc, j'avais accepté ça dans sa stratégie parce qu'effectivement, elle a des rondeurs, elle est belle. C'est une belle femme, voilà. Et elle fait dans les laits cosmétiques. Donc, on peut utiliser son image pour l'effigie de sa marque. Et on peut aller même jusqu'à l'extravagance pour le faire. Les gens vont bavarder, mais il ne reste pas moins que c'est une femme qui est belle. Aux yeux des gens, aux yeux des hommes particulièrement, elle va prendre en autorité. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est une femme vraiment connue sur le marché de la cosmétique. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Je prends le cas de quelqu'un qui a fait une chose pareille dernièrement et ça lui a valu ce que c'est en train de lui valoir présentement. Le cas Martin Camumis, tu le connais? Oui. C'était une stratégie de bad buzz qui a été mise en place par son équipe. Et j'étais seulement déçu que mon ami Martin Camumis ne m'ait pas contacté pour que je lui donne mon appréciation pour ce qu'il s'apprêtait à faire. J'aurais déconseillé parce que qu'est-ce qui se passe? Martin Camumis vient de mettre sur le marché une nouvelle œuvre qu'il veut que les gens sachent qu'il a mis un livre dehors. Et alors, il veut se faire des ventes. Il commence à aller voir ses amis ministres, photo par-ci, photo par-là, ceci, conférence de presse et tout. Jusque-là, tout se passe bien. Mais lui, jusque c'est lent. Il décide donc d'inviter l'enfant de quelqu'un dans son bureau avec l'aide d'un ami, publie les nudités de cet enfant sur Internet parce qu'il est question que l'attention soit portée sur Martin Camumis et ce qui est derrière doit sortir son livre. Malheureusement, ça a mal tourné. Ce qui se passe actuellement n'est pas ce qu'il avait prévu. Parce que et ses partenaires, et ses annonceurs, et sa maison d'édition, toutes l'ont lâché. Ils l'ont envoyé au champ. Même son ami Samuel Eto'o, il écrit, Eto'o ne répond pas. C'est ça du bad buzz, bad buzz. Donc, il y a bad buzz, good buzz, et il y a le bad buzz, bad buzz. Et en réalité, il faut savoir emprunter cette stratégie là où il faut. Je prends encore un autre cas de figure. Parce qu'il faut que, comme tu es en train de devenir une professionnelle du marketing digital, tu dois avoir une façon de regarder l'atmosphère digitale désormais sur la toile. Donc, tu ne dois plus regarder les choses sur Internet comme quelqu'un qui n'a pas fait une formation. Il faut que désormais, quand tu vas sur la toile, la façon dont tu regardes les agitations sur la toile, tu comprends tout ce qu'on est en train de se dire ici. Je prends le cas de l'artiste ténor avec l'accident de la fille qui est morte à feu rouge. Oui. Son manager, c'est mon ami, c'est mon collègue. Donc, quand je dis mon ami, c'est qu'on cause, hein, c'est mon ami. Et des fois, oui. Fait comme ça, il m'appelle, il me dit qu'il est à Douala, on va se voir. Alors, son artiste a un accident. Jusque-là, c'était un accident. Donc, rien n'était prévu là, c'était un accident. Mais ce qui va, à ce niveau, ça révèle plutôt du manque de professionnalisme du community management qui n'est pas présent dans l'équipe de ténor. Donc ici, il y a eu bad buzz, mais défaillance d'un professionnel du community management pour gérer ce cas de figure parce qu'il s'agissait ici déjà d'un conflit qui pouvait finir par devenir un conflit des litiges. Et ça révèle toujours des compétences d'un community manager pour désamorcer tout ça. Alors, tenant-tu l'enfant de quelqu'un, son manager décide de prendre sur lui, de faire un communiqué et de faire comprendre aux Camerounais et à la communauté internationale que cette fille est morte parce qu'elle était femme de ténor. Mais attention! Attention! Quand je vois ça,
quand je vois ça, je l'écris immédiatement. Je lui demande de supprimer ça avant même que l'activation de la publication ne se fasse. Le temps qu'il voit mon message et le temps qu'il aille faire les captures d'écran avaient déjà été faites. Hein? Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu, ça a mis en colère et la famille de la fille et les donc c'est devenu un scandale terrible. D'où une levée donc d'un collectif d'avocats qui ont décidé de traîner donc Ténor en justice pour de vrai. Parce que si vous nous prenez pour des imbéciles, alors le tout si tu vas même couler vrai. Son artiste se retrouve en prison par manque de professionnalisme. Pourtant, si tu vas faire le cours sur le community management avec moi, je vais te montrer, tu vas comprendre ce qu'il fallait faire. Tu vas comprendre ce qu'il fallait faire dans le cas de Ténor pour désamorcer cette bombe. Ça manquait et c'est arrivé. Et c'est ce qui se passe en entreprise. Beaucoup d'entreprises se retrouvent dans des problèmes, dans des difficultés, alors que le seul endroit qu'ils manquent dans leur panier de personnel ou bien de service, c'est ce côté de community management-là qui est des personnes qui sont là, qui sont des personnes qui sont là pour les aider à désamorcer les conflits. Et à cause de ça, une image, tout ce que tu as construit pendant toute une vie, en moins de 2 jours, tu peux la détruire. Mm-hmm. Voilà. Donc, les stratégies de bad buzz, c'est des stratégies marketing, mais on ne le fait pas n'importe comment. Parce que Internet que tu vois là, c'est sucré, hein? C'est bon. Ça vend même bien, hein? Mais ça détruit aussi facilement. Comme c'est bon là, il est dangereux. Très dangereux. Et tout ce que tu as conçu pendant toute ta vie, il peut te l'enlever en moins de 2 jours. Donc, il faut, quand tu vas sur Internet, être très méthodique. C'est très important. C'est donc la raison pour laquelle, toujours dans ce contexte, il est question, donc, dans ces stratégies, de pouvoir mesurer donc, la capacité de conversion de certains donc, cibles en visiteurs. Parce que si, à travers le Facebook Ads, tu peux mesurer la capacité de conversion de certains cibles en visiteurs, ça peut te permettre aussi facilement de savoir si ce que tu t'apprêtes à faire est bon ou si ce n'est pas bon. Et à partir de là, tu peux facilement donc arrêter une campagne ou tu peux continuer une campagne. Parce que une campagne programmée n'est pas forcément obligée de se poursuivre si tu te rends compte que l'impression n'est pas bonne sur le marché ou bien les gens n'apprécient pas trop ce que tu as fait. C'est la raison pour laquelle on a donc des calculs qui renvoient à ces différentes applications ou entre autres les coûts pour 1000 impressions. Ce sont des calculs, les coûts par clic, les taux par clic, tout ça, c'est des calculs qu'on va également, comme tu as ça en formule là, tu vas retrouver ça dans le cadre de l'évaluation. Et quand on va revenir dessus, je vais t'expliquer plus cette partie parce que j'aimerais voir comment tu vas réagir ici dans le cadre de l'évaluation. Donc, voilà, donc c'est un peu ça à quoi renvoyait cette partie, ce chapitre, en ce qui concerne la performance des cibles. Voilà. Maintenant, il est question donc maintenant d'évoluer avec le prochain. Comment transformer des visiteurs en prospects. Voilà, tu peux lire. Nous sommes au deuxième cas qui est converti. C'est même où là.
Allô, ta connexion est bonne? Allô? Sinon, on ne parle plus de marketing, mais de racket. Allô? Oui. Je n'étais pas avec toi, hein. Reprends le wifi dérangé. Ah, d'accord. OK. Une fois que vous aurez attiré l'attention et suscité l'intérêt de votre cible au point d'en faire un visiteur, la prochaine étape sera d'en faire un prospect. Rappelez-vous, un prospect, c'est quelqu'un qui entame un processus de décision d'achat. Et pour que quelqu'un se demande s'il va acheter votre produit, il faut que cette personne en ait envie. On ne peut pas forcer quelqu'un à acheter quelque chose, ou sinon on ne parle plus de marketing, de racket. Ce que vous pouvez faire de manière tout à fait éthique et légale, par contre, c'est de stimuler le désir du visiteur pour votre offre. Si le visiteur explore, votre site, c'est qu'il cherche à répondre à un de ses besoins ou à résoudre un de ses problèmes, qu'il en ait conscience ou non. Vous n'allez pas chercher à attirer l'attention de votre visiteur ou susciter son intérêt. Vous avez déjà son attention et son intérêt. À ce stade, vos choix marketing auront pour objectif de transformer l'intérêt en désir. Stimulez le désir d'acheter grâce à votre landing page. À vous donc de lui expliquer en quoi votre offre est une solution pour répondre à ses besoins ou résoudre les problèmes qui l'ont amené sur votre site. Et pour faire ça, il n'y a pas de meilleur endroit que la landing page de votre site. Traduit littéralement par page d'atterrissage en français. C'est la page de votre site sur laquelle le visiteur arrive après avoir cliqué sur un lien. Avoir une landing page optimisée pour la conversion est un enjeu marketing crucial. Imaginez que vous déployez des ressources colossales, disons 5 000 euros, pour attirer un maximum de visiteurs sur votre site, disons 50 000 visiteurs. Si seulement 20% d'entre eux comprennent suffisamment votre offre pour penser à acheter, vous n'aurez converti que 10 000 visiteurs en prospects, même pas en clients. 80% de vos clients pour faire venir ces visiteurs seront donc d'acheter. Vous voyez en quoi ça serait dommage. À l'inverse, si votre landing page est très bien faite et qu'elle convertit 80% de vos visiteurs en prospects pour le même budget, vous pourriez vous retrouver avec 40 000 prospects, d'où l'intérêt de présenter votre offre de la manière la plus claire et attractive possible. En résonance avec les besoins ou les problèmes de vos visiteurs. Choisissez bien vos mots grâce au copywriting. Vous allez devoir choisir vos mots avec beaucoup de précision et d'empathie. C'est tout un art, à tel point que certains marketeurs se spécialisent même dans les techniques rédactionnelles. Dans les techniques rédactionnelles pour support marketing. Oui. Cette branche du marketing s'appelle le copywriting. Une offre peut être présentée de nombreuses façons, plus ou moins efficaces. Le principe essentiel du copywriting est en dire le plus possible avec le moins de mots possible. Lorsque vous chercherez à écrire votre test marketing, vous essayerez donc de formuler votre proposition de valeur de la manière la plus concise qui soit.
moins il y a de tests présents à l'écran, plus ce test a de l'impact. À chaque fois que vous rajoutez du test, vous divisez votre message. Vous pourriez être tenté de synthétiser votre offre comme étant simplement la meilleure. Exemple, le meilleur cours en ligne, le meilleur ordinateur. Si cette approche a le mérite d'être synthétique, elle n'explique en rien ce qui fait que votre offre est la meilleure. Je vous déconseille donc vivement de vous en tenir à ça. À la place, identifiez les points forts de votre offre et faites-les réussir. Un cours en ligne gratuit, passionnant et complet. Un ordinateur aussi léger que puissant. Si votre offre a beaucoup de points forts, ce que je vous souhaite, vous allez devoir les priser et sélectionner ceux qui donneront le plus envie de considérer l'achat. Vous pourrez toujours présenter ou laisser l'internaute découvrir les autres points forts au fur et à mesure de son expérience. Dans la mesure du possible, employez les mots que vos clients utilisent eux-mêmes pour vous décrire. Communiquez visuellement pour donner envie. Il est difficile de désirer quelque chose que l'on ne voit pas ou que l'on a du mal à se représenter. Pour permettre à vos visiteurs de se projeter et de prévisualiser votre offre, assurez-vous que votre landing page soit suffisamment imagée. Si vous vendez des produits physiques, montrez-les sous leur plus belle. Si vous vendez des produits numériques, vous pouvez montrer des captures d'écran de l'application ou une vidéo expliquant son fonctionnement. Si vous vendez des services, trouvez une image qui soit représentative ou faites une vidéo de présentation. Les vidéos marketing sont particulièrement puissantes parce que les images animées donnent vie à votre offre. Elles permettent d'ajouter de l'audio, d'humaniser un peu plus la relation avec le client et de faire une démonstration des bienfaits de votre offre. Oui, la relation avec le client et de bien faire une démonstration des bienfaits de votre offre. On continue. Oui, bon, on peut arrêter là pour aujourd'hui, on continue demain. Jusqu'ici, ça continue d'expliquer, ça renforce les explications sur ce que j'ai expliqué plus haut, n'est-ce pas? Ce qu'il faut noter, c'est qu'en tant que web marketer, tu peux te spécialiser, tu peux devenir un copywriting. Donc, ça veut dire que tu peux te spécialiser en meilleur rédacteur parce que écrire, concevoir une rédaction qui accompagne un contenu révèle de l'art aussi. Ce n'est pas donné à n'importe qui de savoir quoi dire face à un produit qui est en train d'entrer sur le marché via le digital. Donc, tu peux également décider d'avoir cette autre qualification-là. Mais je dirais en fait que comme tu es avec moi, tu les auras toutes ces qualifications. Voilà. Donc, merci beaucoup. Tu vas revoir, en fait, tu vas reparcourir tout ça, ce qu'on a vu aujourd'hui. On se reprend demain à la même heure. Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, on s'est arrêté au petit B, c'est ça, non? B, à garder. Oui, au petit B, veillez à garder un taux de rebond faible sur votre site. D'accord, ça marche. Donc, on se dit à demain et bonne journée. Merci beaucoup, à toi de même. Merci.